Salut les amis, c'est Jeff. Bon, et ben voilà, j'ai remis en place mon petit système hydroponique. Donc voilà, j'avais eu un souci sur mes gouttes à gouttes. Mais j'ai le bonheur d'avoir une chérie qui travaille dans le milieu médical. Et j'ai pensé à ça, je me dis, mais c'est bon sang, mais c'est sûr. Avec un goutte à goutte médical, ça devrait le faire. Voilà, et donc je lui ai demandé si elle pouvait en avoir. Et elle m'en a ramené. Et voilà, ben franchement, ça fonctionne, mais super bien. Donc là j'ai un petit pied de fraise. Il m'a déjà fait des fleurs. Donc voilà, derrière aussi vous avez des fleurs qui sortent aussi. En une semaine, ça sort mais magnifique. Il se tient bien. Au début j'ai eu peur. Et super, enfin, franchement je suis très content. Par contre je vais avoir des soucis, c'est que à l'extérieur normalement il y a des insectes, c'est-à-dire les abeilles, les papillons, enfin, voilà, qui viennent pour polliniser de fleur en fleur. Donc ça, je vais devoir le faire au pinceau. Mais bon, c'est pas très long à faire. Donc on va voir ça. Sinon, après, voilà, c'est des billes d'argile. La solution nutritive, ben, c'est du bio, hein, c'est-à-dire c'est du purin d'ortie dilué avec de l'eau. Voilà. Et ça coule vraiment super bien. Voilà, on va voir la goutte. Pouf, voilà. Voilà, si on descend... J'ai mon basilic, donc là au centre vous voyez la graine qui est en train de sortir, donc il y en a 2-3 de graines, hein. J'ai mis les graines comme ça, je me suis dit on va pas faire de pouce, on va le faire directement dans les billes d'argile, on va faire les fous, voilà, et ça fonctionne. Donc je suis super content, ça va exploser là bientôt, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la suite. Voilà, et maintenant là j'ai mes haricots qui sont sortis là, donc bientôt on va voir les feuilles. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et maintenant, j'ai mon retour. Donc, le retour, bah, c'est la bouteille. Hein, voilà. Et là-dedans, une fois que ça a circulé deux fois dans les bouteilles, c'est-à-dire je recycle, bien sûr, voilà. Je refais ma solution, c'est-à-dire toutes les deux semaines, quoi. Et le reste de la solution, je le jette pas, bien sûr. Ce que je mets, bah, je mets sur mes orchidées. Je mets sur mes citronnelles, là. Voilà, et l'aloe vera. Mes orchidées sont magnifiques depuis que j'utilise le recyclage de ma solution nutritive. Voilà. Toutes mes plantes, franchement, ont changé. Voilà. Et là, j'ai déjà ma ligne de prête. C'est-à-dire que quand je vais voir le résultat de ce que ça va donner, là, voilà, j'ai déjà mes lignes. Sont prêtes. Donc il n'y a plus qu'à mettre les billes d'argile, les plantes, la solution nutritive et zou, c'est parti. Donc facile. Et après sur le côté là, j'ai encore de quoi faire. C'est-à-dire là sur le balcon, je vais voir ce que ça va donner, ce que je vais mettre en place. Mais je pense que je vais remettre un système hydroponique. Voilà. Bon ben voilà. Merci de me suivre sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Voilà, et je vais essayer de vous tenir au courant de l'évolution. Et je vais vous montrer aussi comment fabriquer ça, parce que franchement c'est vraiment rapide à faire, c'est facile à faire, c'est simple. C'est de la récupération et ça permet de manger des choses naturelles que vous avez vu pousser. Enfin, c'est que du bonheur. Voilà, merci, salut, au revoir.